Maxime, quel est ton sentiment à l'issue de cet acte 2 que le HSIR a tout fait pour gagner mais n'a pas réussi finalement? Ouais, c'est clair, c'est un petit peu rageant. On a vraiment fait un match complet de notre part. On a tout donné, tout essayé ce soir. Malheureusement, c'est les playoffs. On a un très bon Holton quand même en face qui sont restés solides. On a réussi à concrétiser leur occasion et malheureusement, ça n'a pas suffi ce soir. Mais on va pas lâcher, on va remettre ça le prochain match. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement qu'il va falloir changer pour espérer déjà gagner un premier acte dans ce quart de finale? Alors, pas grand-chose. Je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. On a fait 2-3 ajustements par rapport au premier match qui était quand même moins bien de notre part. Donc je pense qu'on va vraiment continuer là-dessus, continuer à vraiment faire peut-être les petits détails qui vont faire peut-être une grosse différence en fin de match, donner peut-être un peu moins d'espace, mais on va continuer sur notre voie, je pense. C'est difficile de faire douter cette solide équipe d'Holton. Oui, c'est clair, c'est un gros morceau. Ils ont quand même fini deuxième du championnat, ils sont renforcés avec quelques licences B. C'est beaucoup de joueurs d'expérience, des gros gabarits, c'est pas facile à jouer, mais on va tout faire pour aller chercher une première victoire. Merci à toi.